Bonjour à tous et bienvenue dans la Benne Gaming Zone pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Grimgor le Vagabond. Grimgor le Vagabond. Non mais n'importe quoi. Et on en était à finir notre tour. Voilà, Château Bastogne. Et voilà, encore une. J'en ai marre de gâcher mon pognon dans la destruction de ces cités souterraines à cet enfoiré. Ah lui, c'est vraiment le prochain sur ma liste. Là, maintenant... Il m'a juste tellement gonflé, lui, que... Merde. Ah merde, c'était mal compté, Ben. Ouais, mais tant pis, prends un flip-flop, puis ça va bien. Un petit pays comme ici, et on va s'avancer vers Morgan. Voilà, et lui, il va retourner au pic noir pour recruter. Voilà, ici, ce monsieur. Je vais peut-être le laisser dans le coin finalement. Lui, on va peut-être le laisser dans le coin, finalement. Il va aller s'occuper de nous faire de l'ordre public. Parce que... Ici, ça va encore. Mais on a d'autres endroits où... Voilà, comme ici, là... C'est pas top, l'ordre public. Donc, on va peut-être le laisser dans le coin. Hein. Hein ? Il n'y a plus d'armée dans le coin ? Oh, ça m'étonne ça. Ça m'étonne beaucoup ça. Ok, et lui il va venir avec qui donc ? Avec les chevaliers de Lyonnais. Et Théotica. Et logiquement, les 10 tours sont passés, donc si je veux l'attaquer, je peux. Et on veut l'attaquer, bien sûr. Bien sûr, on veut l'attaquer. Compétence non assignée. Là, ah oui, il me faut un grand chef gobelin. Est-ce que je peux recruter ça là? Un grand chef gobelin. Est-ce que j'en ai pas un dans le coin, d'ailleurs? Ah bah si! Bah voilà. Et oui, voilà. Toi, tu vas aller dans l'armée de Grimgor, en fait. Let's go. I have spells. Despair involves fighting. Ouais, bon, on fera sortir ce mec et puis on le remettra après. Voilà. Et fin de tour. Et je devais arrêter l'épisode là. Donc, bah tant pis. On va l'arrêter au début du prochain tour.
Au passage, on visite un peu tout, comme ça on peut se faire une idée de où sont les Skaven, de combien ils sont. Let's talk. I can kill you later if you say something stupid. Un pacte de non-agression? Non, pas vraiment, non. C'est un petit peu le contraire qui va se passer si tu veux, mec. Voilà, donc il s'est pas passé grand chose, il y a des alliances militaires qui se sont négociées, ce qui risque d'être un petit peu ennuyeux, des bâtiments qui se sont construits, donc eh bien... Eh ben non, mais on va pas s'arrêter là en fait, je viens de le commencer l'épisode. Je suis complètement... Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je suis un peu... Je suis un peu à côté de mes pompes. Oui, non, non, c'était l'épisode précédent qui avait été super long, et du coup, et comme j'ai enchaîné, je les enchaîne l'un à la suite de l'autre, là, du coup, ça me perturbe un peu, voilà, donc du coup... Hein? Exposé chez ce monsieur, comme ceci, ici... S'avancer ici. On va sortir ce monsieur. Mettre ce monsieur. Implanter un héros. C'est bon. Réussir une tentative d'assassinat, blessure appartenant au pauvre. Ah, super. Super, super. Du coup. Toi, bah, tu ressors. Toi, tu rentres. Et toi, tu t'avances. Il faut que je trouve un personnage. The tribe's ready. Anything you say. Hein, et on a lui qu'on va venir placer à Sartosa. Ouais, mais tu vas passer par là. Voilà, s'il te plaît. Hein. Un héros non déplacé, donc ce monsieur, il a pas l'air d'avoir d'armée dans le coin pour venir nous enquiquiner pour le moment, donc ça va. Je pense qu'il doit être trop occupé. Je pense qu'il doit être trop occupé en fait. Non, bah ils sont pas descendus jusque là finalement. Hein. Ou alors ils se sont fait éclater sur le chemin. The tribe's ready. This magic is real. Okay.
Apparemment, il n'y a plus personne chez les nains de ce côté-ci. Les guerriers du chaos, ils ont déjà pris tellement cher. Quête annulée. Ah. I answer to clan and hold. What? You better move. Ok, vas-y, vous mettez à sac des colonies. Nasty magic's ready. Strongest, meanest. Oh. Moving out. Il a perdu du terrain. Yes, right. Non, toujours 4. Ah mais oui, elles sont là. Je suis bête. Ready. Suis-je bête. This better lead to war. Hein ? Comme ça. Rasé, on mettait à sac, ouais. Okay. Rasé, on mettait à sac. Et celle-ci est déjà prise. Okay. I'm special. Yes, on it. The boys are restless. Ouh, elle coûtait cher celle-là. Ici on pourrait faire ça, comme ça on pourrait recruter ça aussi. Ce serait bien. Et ça pour recruter plus de ça. Voilà. Set sail. When I gets there, gonna stab. Get going. Huh. Ah, des petits soucis. Bah alors. Voilà. Répondre à l'ordre public.
Et ici, ok. Voilà. Bon. J'ai l'impression qu'il a pas vraiment fait croître les colonies en fait. Et c'est avec le perso ou je peux le faire avec tous les persos parce que c'est pas précisé et c'est pas précisé. Ok, du coup, fin de tour. Et lui, on va commencer à le préparer pour une armée. Encore une cité découverte. Voilà. Là, j'en ai un petit peu par-dessus le champignon du Skaven et des cités souterraines. Ouais, donc elle va être assez compliquée celle-ci. Hein. Mais bon, je pense qu'on va la tenter. Bon, bah on verra bien si on la foire ou on la refera plus tard. Oh là là, il a deux répurgateurs. Oh, ces armées qui sont pleines de persos, c'est vraiment l'angoisse, quoi. À mon avis, on va encore prendre très cher. This will burn, just how I like my battlefields. Gork wants us to fight the Humies here. Says if we do that and smack him about real good, then he'll power up my staff.
So listen to your mate, Wurzag. I'm the prophet, and what I says goes. Let's get him! Bon, au moins, ils ont pas de batterie tonnerre de feu et tous ces trucs-là. C'est déjà une bonne chose. Mais en fait, c'est juste deux crottes de squeak, quoi. D'accord. Zut, j'ai oublié de foutre cela. Ils vont arriver d'où ces renforts, ça va être ça le problème en fait. S'ils arrivent de derrière lui, ça va, mais s'ils arrivent sur mon flanc ou dans mon dos, ils vont m'arriver dans le dos. Ils vont tellement m'arriver dans le dos, je vais tellement avoir mal. Enemy.
Bon, on a de la chance, c'est que tous ces persos, ils sont restés collés au fond. J'ai pas trop bien compris le principe, mais... Ouais, du coup, tous ces persos, ils sont restés au fond. Donc, pour nous, ça s'est plutôt bien passé pour le moment. Je pense qu'on va s'avancer un petit peu pour aller sur ces persos. Au pire, si vous voulez qu'ils avancent tous à la même vitesse, vous faites ça. Voilà, comme ça, ils vont tous avancer à la même vitesse, logiquement. Ah bah non, j'ai dégroupé. Quel boulet. Ok, c'est bon. Ah bah c'est notre village. C'est pour ça, ils nous ont pas laissé le choix. On les aurait bien pas attaqués, nous. Ils sont mis juste à côté de notre village, on peut même pas rentrer chez nous après le boulot, quoi. Je veux dire, après une bonne journée de raid, comme ça, on a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi. Il peut pas se recharger, lui. Ah oui, si, ça bouffe un peu sur sa vie, je crois. Voilà. Donc, il commence à leur envoyer des poutres. Aouh! Moi aussi, je sais. Où est-ce qu'ils sont, ces renforts? Oula, un duel de magie! Aouh, 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 ils sont deux! Chaque fois ils font mouche, hein.
time! Great wizard! Les salauds. Wurzak, sors de là. C'est bon, ils sont morts. Non, ils sont morts. Ah. J'ai peur. Non, dites-moi, ils sont morts. Waouh, 102 lui. Eh ben. Il les a éclatés, hein. Bon, ça va, il n'y a que notre araignée qui a pris un peu cher, mais en fait, c'est parce qu'elle est plus rapide que les autres, et du coup, elle était au contact avec les autres avant. Mais bon, ça va, elle a bien tanké. Elle a bien tanké, puis elle a pris quelques tirs de d'arbalétrier, je pense. Wurzak, bien sûr, il est super fragile, mais bon. Enfin, il est super fragile, c'est pas Grimgore, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Si vous le mettez trop au contact, il va quand même prendre cher. Et là, il a pris cher avec les répurgateurs. Ça fait quand même mal, un répurgateur.
136 là, entre les tirs et le corps à corps, ça va. Bon, elle fait surtout des tirs, je crois. Mais du coup, c'est des tirs plutôt efficaces, ils font mal. Non, mais ça va, je pensais que les renforts, ils allaient m'arriver dans le dos et puis qu'ils seraient plus nombreux que ça, mais il n'y a pas eu grand chose en renfort en fait. J'ai pas eu l'impression. Ou alors c'est que je les ai pas vus arriver et ils sont arrivés dès le début de la bataille et ils sont arrivés derrière eux. Comme les dernières unités, mais. Bon, c'est assez bizarre. Du coup. Oups. Pardon. Ah. Non, attendre qu'il réponde, c'est juste qu'il est en fin de chargement et il a dû se mettre en toile derrière. Voilà. Ok. Eh bah du coup, c'est fait. Du niveau. Et du coup, on a le bâton en bois de Zeus. Ok. Et lui, la monture, il a qu'un. D'accord. Éclatrate. Mais il faut combien de points pour débloquer ce truc? 8 points! Oh la vache! Bah voilà, merde. Et puis au prochain Oui, donc du coup, oui, en effet, ils sont morts. Ils sont morts comme des cacas. Ça. C'était Ah, bah tu peux pas. Bah tu t'avances là. Voilà. Puis on va camper. Histoire de régénérer. Voilà. Ici, on va faire ça. Et ici, on va aller sur Gorgazan, qu'on va gentiment assiéger. Et puis là, on a encore... on a encore nos wags, donc ça devrait être un peu plus simple, je pense. Ici, on avait dit qu'on ferait de l'ordre public, mais on n'a pas les sous-sous, donc ça va attendre. Et ici, ce monsieur, il va descendre... Oh. Voilà, mon bossu. Ici, on va rester là pour le moment. On va protéger un peu. Quoique toi, je commencerais bien à te remplacer ces gars-là par de ces gars-là. Hein. Pour être pratique. Hein. Ah oui, mais tu peux pas les recruter ici. Cool.
Bah du coup, lui, il va les recruter pour toi. T'en faut combien? 4. Ah, oui. Évidemment, j'ai pas les sous. Ok. Non, on peut pas. Oh, zut. This magic is real. Tant pis. Let's go. Et bah du coup, on est bon là. Ici on en est où? Ah bah on est retombé à 0, donc c'est bien. Et ici on est 6. Bah du coup tu vas rester là ce tour-ci. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On va attribuer les points de compétence à ceux qui en ont gagné. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là. Donc, eh bien, chers amis, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve dès très bientôt pour la suite de nos aventures. Voilà. Allez, des bisous et à bientôt.